Alors, je vais pas trop parler parce que la pièce, elle est monumentale, hein. Je pense qu'on va être tous d'accord. Elle est magnifique. Pour ceux qui sont fanas comme moi des deux premiers Terminator, forcément, c'est hallucinant. Réalisme de fou. Ils ont même fait tous les petits détails. C'est un truc de dingue, ces petits boutons en dessous là. C'est sûrement de naissance. Niveau des poils, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Putain, et puis l'œil en bille, l'œil en verre, il est magnifique. Avec les petites veines, c'est très. Waouh! Alors, tout ça, c'est de la statue, hein. C'est pas du silicone, hein. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de la statue, c'est pas du silicone, parce que quand tu vois le prix des silicones, ça peau, la peau des fesses. Regardez ici, regardez ce que ça fait. À ce poste de bordure, de rainure, je veux dire, quand il a reçu la balle en pleine tronche. Vous allez voir la fin, les photos, parce que là je vais filmer comme ça, hein, parce que la tête elle s'enlève, tout ça. Comme ça, vous avez toutes les photos à la fin, c'est magnifique. À l'arrière aussi, ici, police officier, hein, Los Angeles Police 572. Austin. Ah, franchement, il est magnifique. Pour un prix vraiment raisonnable, parce que bon, moi j'ai payé 4 fois 100, 100 quelque chose, sans compter que j'avais déjà fait la précommande il y a plusieurs mois de ça, il y a 7-8 mois, je sais plus, ça passe tellement vite, peut-être 8-9 mois, je sais. Et franchement, pour une statue en plus, c'est. Ah ouais, c'est du top, du top, du top, hein. J'adore ce personnage-là, c'est un de mes préférés de tous. Hein. Pourtant, c'est un méchant. Hein. Mais c'est ce côté métal, là, j'adore. C'est métal liquide, c'est magnifique. Déjà à l'époque, le film, quand il est sorti, c'était déjà une tuerie. Les effets spéciaux, c'était déjà une tuerie. Même encore à l'heure actuelle, quand tu regardes en Blu-ray ou 4K, c'est une tuerie. Je te demande même comment ils ont encore pu faire. Faut pas oublier qu'il y a plus de 30 ans, le film, hein, quand même. Quand tu vois tous les films de maintenant là, qui coûtent la peau des fesses bien plus que celui-là et puis qui sont pas si extra que ça, hein, finalement, même au niveau des effets spéciaux, te demande comment ils auraient pu faire en 91. Me pose des questions, gars. C'est juste hallucinant. Puis même les rides là, tout ça, c'est waouh. Ça, c'est un de mes films préférés de tous. Hein. Pour moi, il y a eu 4 awards. Moi, je crois qu'il y a eu plusieurs prix. Un truc monumental. Je relirai après, de toute façon. Je coupe après, je remettrai l'affiche. C'est un très très grand film. C'est un chef-d'œuvre absolu. Pour moi, il n'y a pas mieux. Terminator 2. En plus, on parle de. Bon, encore une fois, on va me dire, oui. Il y a quand même le logo de la pyramide dedans. Hein, donc, je ne vais pas dire quoi, mais ceux qui ont compris, je pense. Voilà, et ça, plus ça correspond. C'est un ufologue qui m'avait dit, il avait tout à fait raison, Patrick, il m'avait dit, tu verras, ce film-là, c'est bourré de codes ufologiques, enfin surtout le code de la pyramide, et il avait tout à fait raison. Mais ce qui est magnifique, c'est que le film en lui-même est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai rien à dire, c'est un très très bon film. Hein. Ouais. Ma main dedans, c'est hallucinant. Regardez par rapport à ma main, c'est bien du 1 sur 1. Hein. Magnifique la posture, tout ça. Après, je peux enlever la tête. Et je vais essayer. Si j'y arrive, sinon. Ah bah, j'essaierai après. J'ai l'impression qu'il est coincé. Bah, c'est pas grave. J'enleverai après. Magnifique. Top du top. Pour un prix vraiment raisonnable, parce que dans les plus de 500, bon, ça, je vais pas le faire de dire maintenant, j'ai payé en 4 fois avec PayPal.
Et heureusement que j'aurai ma nouvelle carte bleue, parce qu'heureusement que ça passait, sinon j'aurais pas pu. Ça reviendra moins cher, hein, une fois tous les mois dans les 100 euros. Et logiquement, un bus comme ça, c'est beaucoup plus cher. Hein. Je comprends pas qu'ils ont pas fait plus cher. Hein. Parce que la qualité, tout, c'est une statue en plus. T'as l'impression que c'est du silicone, qui gratte beauté et tout. Là. Un petit bouton ici, regardez. Même les poils, tout ça, comme s'il était à peine rasé. Enfin, il était rasé, mais on voit encore les poils. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. J'adore. Puis moi, c'est un de mes personnages préférés. J'adore. J'adore. Hallucinant. Robert Patrick, bah de toute façon Robert Patrick dans ce rôle-là ça sera unique. Hein. D'ailleurs c'est grâce à ce film-là quand même que. Bon après il a fait des séries, des films, bon après voilà, c'est toujours pareil quoi. Après il a été moins par rapport à Schwarzenegger. Quand même, mais bon, quand même, dans ce rôle-là, il a été très très grand. Pour moi, il était aussi grand que Schwarzenegger. Et j'adore les deux personnages, c'est ça qui est curieux quand même. J'adore le gentil, le celui qui est papa protecteur, et le méchant, le T-1000. Parce que tous les deux ils sont fascinants, le film est fascinant, les effets spéciaux sont fascinants, l'histoire est fascinante. C'est du chef-d'œuvre, c'est tout absolu, j'ai rien à dire. C'est. Absolu. Ouais, alors après, il revendait même avec un truc, c'est avec la main ici, mais ça m'intéresse pas, puis de toute façon, tu le trouves pas. C'est avec son doigt comme ça. Après, il vendait le même en tout émile, c'est-à-dire en version liquide, métal liquide, tout émile. C'est-à-dire qu'on voyait même plus. Mais moi, ça m'intéressait pas. Je préférais qu'on voit son visage avec Robert Patrick, c'est vrai, l'acteur qui joue dedans. C'était plus intéressant pour moi. En plus, l'autre truc est plus cher. Après, il y a le même truc avec son tout en métal liquide, avec son doigt, avec du sang au-dessus. Bon, ça devient. Moi, j'aime bien qu'on voit quand même sa face. Comme ça, on sait quand même c'est lui. Et puis. Un trou dans le bac, ça c'est vers la fin du film avec Sarah Connor, alors que c'est magnifique. Puis, même encore maintenant, quand je l'ai c'est tapé il y a quoi, il y a 3-4 mois, je dis c'est toujours incroyable comment ça a été fait. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire un film aussi grand. Parce que vu les effets spéciaux, c'est toujours hallucinant. Hein. Bon, bah, je vais arrêter là, je vais reprendre après. Je suis heureux, heureux, heureux. J'essaierai de refaire une autre vidéo pour mettre dans ma vitrine parce que j'ai déjà le T800 d'un fabricant particulier. J'ai le T800 Terminator 2 de la marque, je sais plus quoi. En mettant les trois dans la même vitrine, ça serait extraordinaire. Trois bustes, un sur un en plus. Et tout dans Terminator 2. Hein. Moi, c'est surtout le 2, le 1. Après, le reste. C'est simple, le reste, c'est pas les mêmes réalisateurs. Hein. Donc, voilà, à partir de là, on a compris. Hein. Voilà, là c'est James Cameron, donc j'ai rien à dire, c'est du grand James Cameron. Quoique, j'en parlerai après comme les autres, moi le 5 j'ai pas détesté, parce qu'on retrouve dans Terminator Genesis un nouveau T-1000 et j'ai vraiment bien adoré ce passage-là. C'est dommage qu'il n'a pas été plus exploité. En Terminator Genesis j'étais déçu, parce que les trois premiers quarts d'heure dans Terminator Genesis, qui est sorti en 2015, hein, 25 ans après celui qui est sorti en 91 pratiquement, et il y avait le T-800, magnifique aussi. Et j'aurais dû C'est dommage, j'aurais dû exploiter un peu plus. Parce qu'après, vers le milieu du film, je me suis commencé à m'ennuyer. Et c'est dommage, parce qu'il y avait quand même un bon truc au départ, Terminator Genesis, et après ça s'est cassé la gueule. Le 6, c'est le pire, Dark Fate, ça m'a pas de m'en parler. Pour moi, je connais pas. C'est pas le plus intéressant, c'est du recopier sur le 1, le 2, c'est toujours pareil. Ils savent plus quoi faire. Le Rêve 9, il est pas si terrible, on dirait du goudron. Non, mon chauffeur, le verso T-1000, métal liquide, c'est quand même plus classe. Il y avait quelque chose en plus, quoi. Il est juste extraordinaire. Et c'est bien sa petite bouche, hein, fine comme ça, là, l'acteur, hein, le petit bouton ici, le nez. Je pensais même qu'ils avaient rajouté des crottes de nez, mais il n'y en a pas. Non. Ah, c'est hallucinant, ce buste là est hallucinant. Pour un prix raisonnable, franchement raisonnable, hallucinant. Là j'ai mis des belles couleurs qui suivent, le vert bleu. Allez, je passe à la suite, extraordinaire.
Il est magnifique. Je suis content, encore une fois, c'est du 1 sur 1. Donc, je dois avoir à peu près entre 20 ou 25 pièces de 1 sur 1. J'ai du Gremlins, du E.T., j'ai du Terminator, évidemment, le 1, je l'ai aussi, le ouais, premier T-800 en 1984. J'ai du film ça, film d'horreur, film Saw. J'ai du Chucky, j'ai du Rencontre du troisième type, j'ai du Alien Facehugger, j'ai du 1 sur 1, j'en ai beaucoup. Loup-garou de Londres aussi, 1 sur 1 sur le mural, j'en ai beaucoup. Oui, lui aussi, vous pouvez le mettre sur le mur, mais ça m'intéressait pas. De toute façon, il n'y a même pas la tâche, donc ça m'intéressait pas. Je préfère le mettre sur. Voilà. Je me demande si je vais le laisser ici où je fais mes vidéos sur l'ufologie ou dans l'autre pièce, je vais voir. Si ça passe pas, je laisserai ici. Il sera pas plus mal. Il y a déjà la mouche de l'autre côté là-bas, donc 1 sur 1 aussi. Et il est magnifique. Franchement, j'hallucine. Allez, je coupe. J'ai passé à la suite. Je vais pouvoir faire voir les films que j'ai, et puis voilà. Et puis ça sera déjà pas mal. Et puis à la fin, vous allez avoir blindé de photos. Je suis heureux. Alors peut-être que je referai une vidéo sur celui-là. Si j'arrive à le mettre dans la vitrine avec les deux autres. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Je vais voir. Je voudrais qu'il passe, mais ça va être short. Sinon, il restera ici, dans tout ce qui est UFO, ça c'est pas grave. Allez, je coupe. Allez, c'est reparti. Ça, c'est le certificat d'authenticité, quand même. Alors, dans le monde, de toute façon, vous verrez les photos à la fin, je vais pas commencer à montrer. Dans le monde, il y en a... c'est simple, c'est très simple. Moi, c'est 164, c'est marqué. Et dans le monde, il y en a 1991. Pourquoi 1991? Parce que c'est par rapport à la sortie du film, 1991, voilà. T-1000. Voilà, magnifique. Ah, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. De toute façon, ce film-là, c'est... J'ai dû le voir 30, 40 fois, je sais pas, autant qu'Alien ou Predator, hein, je pense, ou la chose. Mais je me demande même si Terminator, j'ai pas pu vu un petit peu plus, quand même. Je sais pas sûr. Ah, puis avec tout ce qu'ils font maintenant, vous savez, 4K, etc., évidemment... C'est pas la même tronche. Ça, c'est bon. C'était le truc. Bon, je vais pas refaire voir le carton, ça serait la fin. Voilà. Témide, pur art. Hein, 2022. Voilà. Bon, il y était des attaches, tout ça. Ça, je l'ai pas, ce qui est curieux. Mais bon, c'est pour mettre sur le mur. Mais j'en ai rien à foutre. Je le mets pas sur le mur. Ça m'intéresse pas. La base, voilà. Bon, après, c'est en anglais, évidemment. Hein. Bon, faut oublier qu'il y a beaucoup d'usines aussi, non, c'est travail. Après, bon, comme tu rajoutes la marque. Alors après, moi, j'ai vu un buste hallucinant aussi. Regarde, quand tu me mets sur le mur, ça fait ça. Moi, j'aime pas de trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime pas. Je préfère mettre le buste... Après, c'est les goûts. Hein. Non, moi, je préfère sincèrement le mettre sur une table ou un buffet, ce que tu veux, ou dans une vitrine. Je trouve que c'est plus intéressant. Sur le mur, ça m'intéressait pas. J'ai été prêt à le faire, j'ai dit non, je vais laisser tomber. Il faut encore la place aussi. Voilà, certificat d'authenticité, extraordinaire. Ça, j'étais à bien le garder. Voilà. Alors ça, bah évidemment, en termes de Terminator 2. Voilà. Évidemment, je l'avais rejeté en 4K au bureau, pour dire honte, hein. Magnifique, rien à dire, du grand James Cameron. Avatar 2, il est vraiment pas mal, hein, j'ai été voir. Hein. C'est du très lourd. Hein. Et ce que j'aime bien, ouais, celui-là, c'est pas... Alors celui-là, c'est une pochette Terminator Genisys qui est sortie en 2015. En plus, regardez, ça ressort, le crâne. Ça, c'est une poche, je sais plus où j'ai trouvé ça, c'est un produit rare sur Amazon, je crois. Mais j'ai eu peur, hein. Heureusement que la version elle était bien française. Derrière c'est marqué en danois, je comprends rien. Je sais pas quoi en suédois, danois, Danemark. Et heureusement qu'il y avait. Parce que même là, c'est pas mal non plus. Mais ça, une pochette comme ça, on ne peut pas pouvoir en retrouver parce que là. Alors après, le film est critiqué, oui, ils n'ont pas aimé, ils ont été nuls. Moi, j'ai vraiment bien aimé les trois premiers quarts d'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a le T-800. Et pourquoi? Parce qu'il y a le T-1000. Un nouveau T-1000. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue dedans. C'est un type japonais, asiatique. Et franchement, il jouait bien son rôle.
Il y avait vraiment l'apparence, je trouve, du Témine. C'était bien. Surtout quand il sort du miroir, ça avait des passages très intéressants. Dommage qu'ils l'ont pas exploité plus, parce que franchement, au bout de 3/4 du film, il se fait avoir. Hein. Avec de l'acide là, qui sort du plafond, le T-800, bref, il le broie avec sa main, il n'y a plus rien, quoi. C'est dommage, parce qu'ils auraient dû le laisser jusqu'à la fin du film, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et ça n'aurait fait rappeler le 2. Et c'est dommage. Parce qu'après, le T3000, il m'intéresse pas des vagues. Après, il y a un T5000, j'ai vu. Après, j'ai commencé à en avoir au-dessus de la tête. Les trois premiers quarts d'heure, ils sont excellents, avec le T800, évidemment. Le premier Terminator méchant. Et c'est dommage que par la suite, il y en a tout plein qui disent, oui, Dark Fate, arrêtez avec Dark Fate, c'est le pire. C'est le pire de tous. Je l'ai vu une fois ou deux, c'est bon. C'est... Voilà, je vais revenir. J'ai essayé de lire un truc. Alors, comme il est marqué là, regardez, AK du meilleur son pour l'un. Il y a eu 4 récompenses. Ah, Stan Winston, purée, Stan Winston, les effets spéciaux, ça qui est mort en 2008. Très grand aussi, monsieur. Les effets spéciaux de Predator, Alien, si je me trompe pas, Terminator, Jurassic Park. En 1991 et 2020, 1991 et 2020, entre 1991 et 2020, il y a la période, hein, c'est pas si vieux. Terminator 2, le jugement dernier, est sélectionné 99 fois dans diverses catégories et remporte 36 récompenses. 36 récompenses. Quand tu vas voir des films pareils, récompense en 1992. Music Awards, BAFTA, il y a eu plein de récompenses. MTV, Oscar des meilleurs effets. Il y a eu, je sais plus combien, 4 Oscars, 5 Oscars, 4. Des Saturn Awards, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu que des prix. Voilà. Et dedans, ils jouent tous très bien, que ce soit Sarah Connor, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick ou Schwarzenegger. Il n'y a pas un seul. Voilà. Livre Guinness des records, des effets visuels. En 1994, Awards des réalisations exceptionnelles pour la version 3D en 97. En 2004, encore des récompenses. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'ils disent la pire trilogie de James Cameron de Terminator à Terminator 3. Bah, c'est pas la pire trilogie. Déjà, c'est même pas lui le troisième. Bon, bref, des fois, ils disent des conneries. Après, récompense 2012, Félix. Mais nomination en 91, mais il n'y a eu que des prix en fait. Prix, nomination en 92, en 2001 encore une fois, en 2003 en DVD. En 2010, Saturn Awards, encore une fois, Fantasy pour les films de science-fiction, Academy. VR Mersure DVD Blu-ray, édition spéciale, Scanet Edition. Ben, ça n'arrête pas en fait. Et Magic Box. Et ça n'a pas arrêté. C'est pour ça que je dis que c'est un très grand film, c'est tout. Voilà. J'ai rien à dire. Allez, je vais couper là. Le problème, c'est que c'est ce genre de film-là. C'est dommage que. Parce que moi, tout ce qui se passe, les Marvel, ça m'intéresse pas. Je vous dis franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est ce genre de truc. Je passe à côté de la plaque ou alors les Fast and Furious, c'est tombé. Bref. Et belle durée, je regarde plus ça. Moi, tous ces films-là, c'est les années 80, 90. Tout ce qui est Alien, Predator, Robocop, Terminator, SOS Phantom, Gremlins. Voilà. C'est tous ces films-là. Oh, il y en a encore, évidemment. Même des films d'horreur, Chucky, Jason, ce que tu veux. Freddy, tous ces films-là, ça a été une époque extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Ouais, j'y peux rien, parce que c'est. Voilà. Après, je pourrais remonter plus loin, hein, les années 70, les dents de la mer, massacre à tronçonneuse. Mais moi, c'est surtout entre 80, fin 70, début 90, avec Jurassic Park, etc., Independence Day. Tous ces films-là, c'est une tuerie. Bon, je sais pas ce que ça va donner, parce que j'irai peut-être voir le Transformer 6, mais j'ai des doutes. Je ne pense pas que ça peut être, je sais pas. En tout cas, Indiana Jones 5, je vais aller le voir, mais bon, il y en a tellement qu'ils ont critiqué Indiana Jones 4. Enfin, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un code ufologique derrière ça fait chier tout le monde. Mais si, c'est ça. C'est... Vous savez, c'est pas plus con de dire que les crânes de cristal avec les extraterrestres, c'est pas plus con de dire que dans le 3, Jésus, là, avec son Saint Graal, et puis bon, bref, je vois pas ce qu'il y a de plus débile là-dedans. Bon, hein, comme toujours. Hein.
pour ça que 4, il n'y a pas vraiment fonctionné. Indiana Jones 4, il a bien marché, mais ça a gêné par rapport à la présence extraterrestre. Et ça, les gens ne comprennent pas. Bref. J'ai toujours dit, de toute façon, ils sont pas bien réveillés. Mais ils vont se réveiller un petit peu à la fois, vous étonnez pas. On sera obligé d'y passer un jour, de toute façon, et on va le savoir. Voilà, magnifique. Extraordinaire. Waouh. Qualité extraordinaire, l'œil de verre magnifique, la sourcil et tout, les cheveux et tout ça. C'est de la statue, c'est pas du silicone. C'est pas du silicone. Oui, parce que je sais qu'ils ont fait Infinite Studio. Le T800, bah, le dernier Dark Fate, là, le... Bref, catastrophique. Infinite Studio, Dark Fate. Le truc est monumental, c'est du silicone. La pièce est avec son bras comme ça. Schwarzenegger vieillissant, évidemment. Maintenant, il y a 76-77 ans. Il n'y a plus l'âge. C'est comme Rambo, hein, c'est fini ça. Faut se dire dans sa tête qu'ils ont plus l'âge de. Voilà. Hein. La pièce, elle est monumentale de Infinity Studio. Mais alors, le prix est monstrueux. 5-6 000 euros. Alors, évidemment, c'est du silicone. C'est très bien fait. Extrêmement bien fait. Mais alors, le prix est trop cher. Et même si j'avais pas possible de le prendre, je le prendrais même pas de toute façon. Pour le prix, c'est ma plus la peine. Et même si le film était bon ou très bon, je le prendrais même pas parce que le prix est trop cher. Voilà, c'est tout simplement ça. Et la pièce est magnifique. Infinite Studio, faites des recherches. Dark Fate T800 1 sur 1. Pff, monstrueuse la pièce. Monstrueuse. Mais c'est que du silicone, bras articulés. Mais alors, trop cher. Là, j'en ai eu pour 500, un peu plus. 500, 500, 550. Avec déjà les précommandes que j'ai fait dans le temps. Réservation. Entre ça et puis 6-7 000, faites d'autres calculs, hein, 5-6 000, quand même, il y a une différence. Hein. C'est magnifique, ouais, pas d'avoir un truc, voilà. Et c'est une statue. C'est pas du silicone, mon pote. Et ils font très très bien le taf. Allez, je coupe là. Heureux, heureux. A plus. A bientôt. J'essaierai de faire une vidéo si je peux avec la vitrine, sinon je passerai un... Je sais pas, j'ai encore des trucs à faire, voir Star Trek, etc. Magnifique. Fin juin, début juillet, j'aurai une autre grosse pièce, fabriquée en particulier, mais je peux pas dire quoi. Elle est monstrueuse aussi. C'est pas du 1 sur 1, mais alors elle est monstrueuse. Ouais. Et j'espère que je l'aurai d'ici début juillet. Pas... Je suis impatient de l'avoir. Allez, je coupe. Un autre grand film que j'adore. Je l'avais dit au début, hein. C'est pas compliqué, c'est la chose. Voilà. Mais je vais pas dire quoi, qui comme personnage, ça vous l'air. Allez, je coupe. Comme à la fin du film, un coup de pouce. Allez, magnifique. Très grande époque, très grand film, rien à dire. Bon, à plus.